Appel du 17 novembre des citoyens présents au rond-point de Millet le 17 novembre 2019. Aujourd'hui à Millet, Aubenas, Ardèche, nous, Gilets jaunes, appelons, après une année de mobilisation déterminée, la situation est à un tournant. L'heure est à la mobilisation du peuple et des travailleurs, syndiqués ou non, de notre territoire qui, comme nous, n'accepte pas la situation actuelle. Nous demandons depuis un an de retrouver le pouvoir des citoyens et de laisser place à leur intelligence collective. Ceci impliquera un changement vers une sixième république pour une nouvelle constitution garantissant le bien-être des citoyens, de la planète et du vivant. Nous demandons plus de justice fiscale, écologique, de la liberté, de la dignité pour reprendre notre pouvoir de citoyen et de redevenir maître de notre avenir. Nous souhaitons soutenir la création de collectifs citoyens partout pour éviter les dérives multiples. Nous nous opposons à la braderie actuelle des biens publics et à la mise en danger de notre système de sécurité sociale. Nous exigeons la transparence sur tous les risques nucléaires, sanitaires et environnementaux. Nous vivons dans un système capitaliste globalisé, impérialiste. Le monde ne doit plus être gouverné par des milliardaires irresponsables. Pour changer les choses, nous devons agir tous ensemble. Nous sommes solidaires de tous les peuples. De nombreux soulèvements ont lieu partout dans le monde, se référant souvent à notre mouvement. Il faut un rassemblement populaire dans toutes ses composantes. Paysans, retraités, jeunes, artistes, personnes en situation de handicap, personnel du secteur de la santé, artisans, ouvriers, chômeurs, précaires, enseignants, travailleurs du public et du privé et les parents pour les générations futures. Nous avons cette occasion à saisir à partir du 5 décembre, date à laquelle des centaines de milliers de travailleurs seront en grève et en assemblée générale pour la reconduire jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Nous appelons tous les Gilets jaunes à être au cœur de ce mouvement avec leurs propres revendications et aspirations, sur leur lieu de travail ou sur leur rond-point. La défaite du gouvernement sur la réforme des retraites ouvrira la voie à d'autres victoires. L'union fait la force. Tous dans la rue le 5 décembre. Justice fiscale, justice sociale, justice économique, respect du vivant. On est là, même si Macron ne peut pas, nous on est là, pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron ne veut pas.